Bonjour, nous sommes en direct sur Facebook pour notre revue de l'actualité de la semaine. Alors nous n'allons pas parler du froid polaire qui s'abat sur la Belgique, mais nous allons revenir sur la sordide affaire Dutroux. Nous allons aussi parler d'éducation, de sécurité, du pacte énergétique et de bien d'autres choses encore. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de ce post. Nous y répondrons avec beaucoup de plaisir et nous accueillons, comme toutes les semaines, le président du Parti populaire, Michael Modricamen. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, heureux d'être là. Heureux d'être là. Comme chaque semaine maintenant. Alors nous allons commencer donc par l'affaire Dutroux. Oui. Donc encore une sortie médiatique de l'avocat de Marc Dutroux, selon pour qui la justice ne doit pas être rendue au nom des victimes mais de la société, jusque-là tout va bien. Alors il parle aussi des victimes qui peuvent être instrumentalisées comme agents de répression. Du coup le père Gino Russo a répondu qu'il n'y avait pas assez de place en réalité dans le système pénal judiciaire pour les victimes. Oui, je crois que ce qui est terrible, c'est qu'on prend les petites estafaires, les victimes, pour lancer finalement un débat intellectuel. Et c'est faire fi finalement, et c'est beaucoup de mépris pour justement les parents et tous ceux qui ont souffert. Et je crois que c'est ce qui choque, je pense, le plus les Belges, avec raison. Je le disais la semaine dernière, et M. Rousseau a tout à fait raison, le drame d'notre système judiciaire, c'est que depuis 40 ou 50 ans, on met l'accent sur les criminels, leur prétendue réintégration, et on oublie complètement les victimes. Je l'ai dit aussi, avec nous, nous pensons qu'un système judiciaire doit mettre les victimes d'abord au centre du procès, et que tout doit être tourné justement vers leur situation et leur réparation. Les coupables ou ceux qui sont poursuivis, ça vient après. Je voudrais aussi préciser une chose, j'ai dit clairement la semaine dernière, avec un parti comme le nôtre, un Dutroux ne serait jamais libéré. Et on m'a dit, mais vous savez très bien que depuis quelques années, c'est le tribunal d'application des peines qui décide ou non de maintenir quelqu'un à disposition de la justice, on appelait avant disposition du gouvernement, pendant 5 à 15 ans après la fin de la peine. Mais nous disons que si nous parvenons au pouvoir, nous ferons changer la loi pour que le gouvernement ait le dernier mot dans les cas justement, comme ceux du trou, mais on peut imaginer demain terroristes, n'est-ce pas, qui pourraient être libérés et qui pourraient porter une réelle atteinte à la paix publique et à la sécurité publique. Si nous sommes au gouvernement, nous demanderons que la loi soit changée pour que le gouvernement belge, réuni en Conseil des ministres, ait le dernier mot sur la libération d'un Dutroux ou demain d'un terroriste. Ça va être très clair. Et oui, les parents, Rousseau, Monsieur Lejeune, a raison. Les victimes doivent être mises au centre du procès. Et oui, Dutroux ne devrait en aucun cas sortir de prison pour une raison très simple. C'est que, et là les experts se penchent, on a encore vu un grand psychiatre intervenir. En général, ils sont restés extrêmement dangereux, présentent toujours un danger pour la société, donc ils risquent d'avoir de nouvelles victimes. Un Dutroux doit finir ses jours en prison. Je pense qu'il y a même une avocate spécialisée dans les droits des enfants américaine. Qui a été, avant d'être avocate, qui était l'équivalent, la présidente du Child Focus américain, d'ailleurs qui a été fait sur le modèle, qui est venue soutenir tout à fait M. Lejeune et M. Rousseau dans leur position en disant « quelqu'un comme Dutroux ne doit pas sortir ». Donc l'international nous regarde. L'international nous regarde et je crois que la Belgique se distingue de nouveau par par cette espèce de débat intellectuel lancé à l'encontre des sentiments profonds d'une nation, hein, d'un peuple, où clairement le bon sens ordinaire des gens comprend très bien qu'un Dutroux doit rester en prison. Et puis vous avez quelques intellectuels qui agitent le débat sur la prison, qui voudraient les réhabiliter, qui sont complètement déconnectés et hors sol des préoccupations. Ça ne veut pas dire que la prison est bonne pour tout, mais en tout cas pour des gens comme Dutroux, ils doivent y rester jusqu'à la fin de leur jour. Donc une plus grande place pour les victimes dans le système judiciaire. Et surtout un système judiciaire beaucoup plus en phase avec les attentes de la population. Le système judiciaire doit faire appliquer la loi, mais il doit être aussi le reflet, si je puis dire globalement, de la composition sociologique et de l'opinion des gens dans l'application des lois, évidemment, et de respect de la loi. Okay. Alors pas de déconnexion. Pas de déconnexion. Pas de démagogie non plus. Pas de démagogie non plus. Donc, dans la presse, notre ministre fédéral de l'énergie, Marie-Christine Margem, a révélé le coût d'une sortie du nucléaire évalué à 15 euros par ménage par an. Je crois que pas grand monde n'y croit. D'abord, elle a révélé des chiffres à la presse avant de les montrer au Parlement.
Et personne n'a encore vu l'étude jusqu'à présent, hein, du bureau du plan. Donc tout le monde lui est tombé dessus à juste titre, l'opposition, mais également les membres de sa majorité. Donc c'était très très peu habile. Je sais que le MR ne demande pas l'étude. Le MR ne la demande pas, bah. Mais en tout cas la NVA n'est pas très heureuse, parce que la NVA n'est pas favorable à la sortie nucléaire, nous ne le sommes pas non plus. Mais il y a surtout un problème fondamental, c'est qu'on sent bien que ces chiffres, on nous dit voilà c'est ce que ça coûtera, ne tiennent pas compte de toute une série de données, comme par exemple les 30 milliards d'euros que coûterait le démantèlement des centrales nucléaires et qui ne sont absolument pas provisionnées, ou si ce n'est pour une petite partie. Donc je pense que les chiffres de Mme Margem sont une espèce de ballon d'essai qu'on lance. Nous le redisons avec force, si on devait sortir du nucléaire en 2025, le nucléaire, je voudrais rappeler, qui produit aujourd'hui 58% de l'électricité belge, ce serait le blackout, je doute qu'on puisse construire des TGV. Et nous pensons que le coût pour les ménages, pour les entreprises, sera énorme. Coût pour les ménages, la facture d'électricité va exploser. Coût pour les entreprises, parce que le coût de l'énergie va aussi grimper. Le coût de l'énergie nucléaire ne coûte pas grand-chose aujourd'hui. Donc le coût de l'énergie va grimper. Qui dit coût de l'énergie qui grimpe, dit manque de compétition. Des entreprises qui s'en vont ou qui ne viennent pas s'installer, ça veut dire plus de chômage. Donc on attend tous les résultats chiffrés et le détail de cette étude, parce qu'effectivement, moi j'ai lu dans la presse que les 30 milliards de la sortie du nucléaire n'étaient pas pris en compte, donc pour la désaffection, on va dire, des centrales. Oui. Et en plus, ils n'ont pas non plus pris en compte le coût du soutien aux énergies renouvelables. C'est ce oui, donc il y a plein de... On a calculé quoi, en gros? Écoutez, juste apparemment, les coûts de construction de quelques centrales, rien d'autre. C'est tout? Oui, donc ça montre encore de nouveau, hein, a priori, parce qu'on n'a pas vu l'étude, un relatif amateurisme, mais on sent qu'on est dans l'intoxication pour faire avaler une pilule aux Belges. Ce n'est pas la première pilule qu'on essaie de leur faire avaler, hein, mais en matière d'énergie, je crois que ce gouvernement marche complètement sur la tête. Hein, les gens réalistes, de bon sens, sérieux, savent qu'il faut maintenir les centrales après 2025. Sur ce point, nous sommes totalement alignés sur la NVA. Et surtout, il faut envisager d'autres formes d'énergie qui fonctionnent. Je pense à, on est favorable aux centrales nucléaires 4e génération, sans risque, au thorium ou les small modular reactors. Je le rappelle souvent, les écolos finlandais viennent d'adopter ce programme des small reactors parce qu'ils ne présentent aucun risque et ils permettent d'ailleurs de brûler les déchets existants des centrales nucléaires. Donc l'avenir, il est là. Il n'est pas dans la construction de nouvelles centrales gaz-vapeur, d'autant que, il faut le rappeler, que si le but est en plus de réduire le CO2, ben c'est exactement le contraire qu'on fait, puisque les centrales nucléaires produisent très peu de CO2, tandis que les centrales TGV, c'est le contraire. Du coup, nous restons dans le thème de l'énergie, oui, en abordant la question d'un rapprochement possible entre Aurès et RESA, donc oui, les deux principaux gestionnaires de réseaux de distribution en Wallonie. Oui. Donc lundi, tout le monde pensait qu'il devait y avoir une réunion du conseil d'administration de Finanpart. Ouais. Tout le monde pensait qu'on parlerait du management de Nethys, de l'avenir de Stéphane Moureau et de ces questions qui fâchent. Mais à la place, justement, on a eu cette annonce d'un rapprochement possible entre les deux gestionnaires. Alors d'abord, Nethys Publifin exemplifie parfaitement cet espèce de système mafieux qui s'est mis en place. Puisque ça fait maintenant 2 ans que les partis nous indiquent qu'ils vont reprendre en main ce qui est une société publique à 100%, elle est détenue par des communes et par les provinces. Et 2 ans après, ils ont encore été incapables jusqu'à présent de remettre en place un nouveau management. C'est assez extraordinaire. Ça montre que espèce d'ogre, d'hydre qui a complètement échappé au contrôle démocratique. L'autre aspect qui est la fusion effectivement des réseaux, nous sommes favorables dans un but de rationalisation, effectivement, mais nous voulons aller beaucoup plus loin. Nous pensons que les centaines d'intercommunales aujourd'hui n'ont plus de raison d'être. Hein, lorsqu'on a une région wallonne qui compte 3,5 millions, 4 millions d'habitants, eh bien, on doit être capable aujourd'hui d'avoir une société publique performante, hein, publique ou avec des capitaux en partie privés, performante, qui assume ce genre de mission de base, avec une dizaine d'administrateurs, hein, quelques-uns qui viennent du privé, compétents, quelques-uns, mais de haut niveau, qui viennent du public. Le drame, c'est que, si vous regardez Publifin, mais autour de la table, si je puis dire, ce sont des représentants des communes, mais ce sont, et c'est encore comme ça dans les intercommunales, la plupart sont de grands incompétents,
qui n'ont absolument aucune idée de la manière dont on peut contrôler ce genre de société, qui ont déjà pris une importance. Donc il vaut mieux une société régionale, avec autour de la table une dizaine d'administrateurs compétents. Je ne dis pas que ça évitera tous les abus, mais en tout cas, ça restreindra déjà beaucoup de choses. Donc, puisque nous sommes dans le volet gouvernance, nous pouvons alors aborder la question du GIAL, l'ASBL bruxelloise qui se chargeait donc du parc informatique de la ville de Bruxelles et de son directeur qui s'est entre guillemets donné une mission de consultance pour 3 millions d'euros, si je suis bien, sans mise en concurrence, avec des factures données sans procédure de marché public. Oui. Ça aussi, c'est assez exemplaire. Mais c'est le système mafieux, je veux dire, ces gens qui exercent le pouvoir depuis 30 ou 40 ans sans contrôle démocratique, se sont cru tout permis. Et des GIAL, il y en a des dizaines, voire des centaines, qui traînent un peu partout. Dans les villes du pays, certainement à Bruxelles. Bruxelles est certainement un des cas les plus malades et qui sont dus... Est-ce normal de créer comme ça une ASBL pour remplir C'est grande âme, ça a été la grande... C'est la grande spécificité belge et certainement à Bruxelles où on crée toute une série de structures autour, notamment des ASBL, qui échappent à la plupart au contrôle budgétaire direct, commune, tutelle et autres, et où vous avez des potentats locaux qui en profitent. Soit on y place des amis, les copains, soit vous avez une série de mandataires publics qui vont compléter leur revenu par là. À la province du Hainaut, par exemple, les socialistes étaient les grands champions. Hein, on avait, dans le domaine informatique notamment, on avait un responsable et puis il avait des compléments comme ça un peu partout. C'est ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'alors quand on parle par exemple de masse salariale publique ou de dépenses publiques, il y a peut-être en fait... plein d'organismes de ce type qui ne sont en réalité pas compatibles. Nicolas, pas peut-être. Il y a des centaines d'organismes qui sont des fromages qui ont été là et qui permettent à une série de parasites de se nourrir du système, et qui ont fait exploser les coûts justement du public ou du parapublic. Alors que, il faut quand même le rappeler, on est un des pays les plus taxés au monde, on est un pays où je pense 56% du PIB est absorbé par le public, et où finalement le niveau de service est très faible. Regardez l'état de nos routes, regardez encore l'état de la justice. Donc on ponctionne un maximum, si je puis dire, d'argent aux contribuables belges, c'est de l'argent qu'on prend dans sa poche, pour avoir un niveau de service faible. Dans une entreprise, là où il y aurait concurrent, il y a longtemps qu'une entreprise comme ça, elle aurait fermé ses portes. Aucune autre aurait pris l'aurait remplacé. C'est les taxes du Danemark et les infrastructures et les services du tiers-monde. Ou en voie de tiers-mondisation. Ça, c'est le drame. Et tant que les Wallons et les Bruxellois n'ont pas compris qu'il faut changer absolument en donnant un coup de pied magistral dans la fourmilière, et nous sommes les seuls capables de le faire, les partis traditionnels sont incapables de le faire, et avec les communistes du PTB, ce sera pire encore. Ce sera encore plus de taxes et plus d'abus. Les seuls qui représentent une aspiration populaire de retour au bon sens, c'est le Parti populaire. Alors, peut-être une bonne nouvelle, on apprend que le bureau de la commission d'enquête a émis un rapport où, en tout cas, ils demandent un remboursement des jetons de présence indûment perçus dans l'affaire du SAMU social. Oui, donc, à Bruxelles, à Peretta et voilà. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va voir s'ils vont y donner suite, parce que émettre des recommandations est une chose, les voir suivre des faits est autre chose. On a vu dans l'affaire Publifin, la plupart des abus et des rémunérations excessives n'ont toujours pas été remboursées. Alors, on peut parler, plus qu'on parlait d'impôts, on peut parler de la réforme de l'ISOC du gouvernement Michel. Donc, une plutôt bonne nouvelle, le taux d'imposition des PME qui passe à 20%, mais le diable se cache dans les détails. Ouais. L'UCM se plaint des restrictions, en tout cas pour accéder à ce taux réduit. Donc, il faudrait avoir une rémunération minimale qui passe de 36 000 à 45 000 euros. Ouais. Et aussi, il y aurait une histoire de pénalité de 5% puis de 10% à partir de 2020 qui s'ajoutera à la perte du taux réduit de 20% en cas de rémunération insuffisante. C'est assez technique et compliqué, mais l'UCM a l'air enragé là-dessus. Mais je pense à juste titre. Parce qu'il y a, une bonne intention réclamée, d'ailleurs ce que nous préconisons aussi d'une baisse de l'impôt de société. Nous proposons maintenant 15% pour s'aligner sur une bonne moyenne européenne. Pour l'instant, les PME payent encore 33% d'impôts, donc c'est énorme. Mais on a fixé une condition.
c'est effectivement que pour bénéficier du taux réduit maintenant à 20%, il faille attribuer une rémunération au gérant d'au moins 45 000 euros. Le problème, c'est que si on regarde en Flandre, la plupart des PME attribuent cette rémunération à leur gérant, donc elles vont bénéficier du taux réduit, mais dans la plupart des PME wallonnes, on est en dessous de ce seuil. Donc les PME wallonnes ne bénéficieront pas du taux réduit, enfin une bonne partie d'entre elles. Et donc on va aller vers une discrimination que le MR n'a pas vue et se sont purement et simplement plantés. On leur a dit d'ailleurs, lors du vote de la loi, d'ailleurs le Parti populaire qui est favorable à la réduction du taux de l'impôt des sociétés, s'est néanmoins abstenu parce qu'on leur a dit attention, et l'UCM a raison, il y a là un risque clair de discrimination entre le sud et le nord du pays. Donc c'est un ratage monumental du MR. Hein. En ce qui nous concerne, d'ailleurs, nous pensons qu'il faut réduire le taux à 15% et ne pas mettre de conditions. Ça va être un taux de 15% par tous et pour tous. Du coup, suite à ce ratage, on entend dans la presse et sur les réseaux sociaux qu'il y aurait une sorte de divorce entre le MR et le secteur des indépendants. On se souvient que des députés libéraux avaient qualifié le représentant de l'UCM dans les précédents débats de communiste, et même Marcel Sell, le blogueur de gauche, s'en était insurgé. Oui. Mais ça montre, si vous voulez, la déconnexion d'un appareil du MR. Hein, c'est un parti libéral, mais qui est fait essentiellement de notables. Et ces notables, si vous voulez, bien qu'ils prétendent défendre les indépendants ou les professions libérales ou les PME, ben beaucoup sont en politique depuis 20 ou 30 ans. On n'a jamais fait que ça. M. Renders n'a jamais fait que ça. M. Michel, père et fils, n'ont à peu près jamais fait que ça dans leur vie. Et donc, ils croient défendre, si vous voulez, les libéraux, enfin, les indépendants et le secteur des PME, mais ils sont à côté de la plaque. Parce que s'ils avaient écouté, justement, et s'ils vivaient dans le monde des PME, ils sauraient aujourd'hui que les indépendants et ces PME souffrent, hein, que justement on ne sait pas s'attribuer très souvent une rémunération au gérant parce que les charges sont telles et autres, et que mettre une condition comme celle-là était un désastre. Donc c'est un parti, le MR, je le dis, je le répète, il est à bien dire, comme beaucoup de partis politiques, mais le MR n'est qu'un des exemples, complètement déconnecté des réalités du citoyen. Quand même pour aller qualifier le représentant de l'UCM de communiste. Oui, alors que l'UCM a clairement été toujours proche justement du monde libéral, mais en tout cas, nous ne le ferions jamais. Et j'ai envie de dire bienvenue à l'UCM, avec qui nous entrons nos bons contacts d'ailleurs. En tout cas, nous serons beaucoup plus réalistes, simplement parce que le Parti populaire est composé de citoyens qui sont dans le monde du travail, qui n'ont pas besoin de lire des rapports, d'études pour comprendre et voir ce qui se passe. Justement, en parlant de ce qui se passe, là, les associations de parents d'élèves plaident pour un renforcement du dialogue entre les familles et les écoles. Ils ont de plus en plus de mal à suivre les horaires scolaires. Donc, j'ai lu les exemples dans la presse. Je n'étais pas au courant, fatalement. Mais par exemple, telle école choisit de terminer les cours à 11h35 le mercredi, telle autre supprime la récréation de l'après-midi le vendredi pour finir la semaine 15 minutes plus tôt, une telle autre prévoit des journées pédagogiques et ne prévient pas assez tôt les parents, donc c'est un congé pour leurs enfants, et il n'y a pas de garderie organisée, ce genre de problème. Comment on fait pour y remédier ? L'éducation nationale, c'est un mastodonte qui est avec des dizaines de milliers de professeurs avec une administration centralisée qui est complètement déconnectée aussi là des préoccupations de base qui sont justement la transmission d'un savoir clair, net, la discipline et autres, et aussi le fait que cette société doit être au service de la transmission d'un savoir, je le disais, mais aussi avec un encadrement qui tient compte du fait que dans une société il y a des enfants et des parents, et donc c'est aussi un service quelque part là pour rendre la société et pas décider unilatéralement et puis que les autres aient à s'adapter. C'est pour ça que nous, notre programme, il est révolutionnaire. Révolutionnaire en ce sens qu'on remet tout ça à plat, hein, et on s'est inspiré d'ailleurs de l'exemple néo-zélandais qui marche du tonnerre, qui marche parfaitement, où on donne un chèque éducation aux parents qui eux-mêmes le remettent à une école indépendante. Il n'y a plus de réseau. Il n'y a plus d'école privée, il n'y a plus d'école publique, il y a des écoles qui s'organisent, d'ailleurs, si possible, au niveau local ou supralocal, et qui sont co-gérées par les enseignants et les parents. Et donc, on colle au plus près de la réalité, des attentes des uns des autres, d'abord en termes de transmission de savoir et d'éducation, avec des objectifs très clairs, mais aussi faire en sorte que l'école, y ait des locaux dignes de ce nom, et qu'il y ait aussi des horaires adaptés
à ce que les parents attendent. Et ça ne peut se faire que dans le cadre justement d'une cogestion. Et donc ce n'est pas l'enseignement qui décide comme ça de manière théorique, mais tout ça doit être vu au niveau local. Ok, donc ce serait vraiment une cogestion des parents et des élèves. Tout à fait. Non pas des élèves, des parents et des enseignants. Et des enseignants, pardon, ouais. Avec une individualisation du financement de l'éducation. Tout à fait. Et avec des écoles performantes qui engageront les enseignants qu'elles veulent, au tarif qu'elles veulent. Hein. Si on a un super enseignant qui est prêt à travailler non pas 20 heures, mais 40 heures ou 60 heures, et qui est un génie, et qu'on veut le payer 5 000 euros ou 6 000 euros net par mois parce qu'il les mérite et que c'est un pédagogue hors pair et qu'il a de l'énergie, pourquoi pas? Donc ça réglerait aussi peut-être alors la pénurie en prof de maths et en prof de langue, parce qu'actuellement, si on est bon en maths, on peut aller travailler dans la finance. Tout à fait, parce que là, on prendra les meilleurs. Vous savez, il y a des pays où on prend les meilleurs pour enseigner aux jeunes générations. Le top 3% en Corée, ils sont d'abord dédiés à l'enseignement de la génération suivante. Chez nous, malheureusement, on a un peu tendance à dire ceux vont dans l'enseignement ceux qui ne savent rien faire d'autre. Hein, ce qui est dommage pour tous les enseignants qui font. Ce qui est dommage en termes de motivation pour tous ceux qui sont motivés. Et ce qui est terrible pour notre enseignement, et on voit les résultats avec les tests PISA. Alors revenons aussi sur le débat Nobilag. Donc en Suisse, ouais. Il va bientôt y avoir le 4 mars, je pense, ouais. Un référendum pour abolir la redevance TV radio. Ouais. Et je pense que c'était ce mardi. Jean-Paul Philippot, ouais. Donc, qui est un directeur de l'audiovisuel public de la RTBF, ouais. Défendait le ouais. Service public pour l'audiovisuel ouais. Dans les pages de La Libre. Ouais. Et je cite. La mission première du service public audiovisuel est de fournir une information plurielle et indépendante. Je vous demande, quelle est votre appréciation de cette information plurielle et indépendante? J'ai envie de dire, j'ai envie de rire ou de pleurer. Hein. On sait que malheureusement, la RTBF aujourd'hui est gangrénée, d'abord a été très longtemps contrôlée par le Parti Socialiste. Il y a leur ancien directeur de l'information, M. Dauriac, lorsqu'il est parti. Il a dit la RTBF et la direction, ce sont les larbins, je cite les larbins du PS. M. Philippot, c'est un larbin du PS. Hein. Il vivait d'ailleurs avec la chef de cabinet, Mme Collings, donc, et c'est un affilié évidemment du PS. Donc, M. Philippot, vous êtes un larbin. Il dit très clairement, vous êtes un larbin du PS. Non seulement les structures dirigeantes le sont, mais en plus, la RTBF est gangrénée depuis des années par la gauche et l'extrême gauche. Et on voit, il n'y a plus que la propagande de tous côtés, pour les migrants, pour ceci, pour cela, et avec les idées de droite hein, qui n'ont très peu tendance à pouvoir s'exprimer. On regarde d'ailleurs le Parti populaire qui est boycotté par la RTBF. Donc, ce que dit M. Philippot, c'est du vent, c'est de la fumée, il est totalement déconnecté des réalités, et il le sait. Et les gens qui regardent la RTBF encore, peu qu'ils le regardent encore, savent très bien, ne supportent plus les dérives dans les programmes de radio, de télévision et autres. En ce qui nous concerne, nous la réformerons en profondeur, la RTBF, le jour où nous sommes au pouvoir, et si on ne peut pas la réformer, eh bien on la fermera, on la vendra. Justement, en parlant... À Fox News, par exemple. Justement, en parlant de la RTBF et du boycott, oui. Il y a eu un débat sur Publifin hier avec tous les politiciens bien comme il faut, c'était à votre avis, et j'ai vu plusieurs membres du Parti populaire qui commentaient le débat sur Facebook en demandant pourquoi il n'y avait pas plus d'ouverture pour des opinions dissidentes, par exemple les nôtres. Et ces commentaires, il y a eu des prises d'écran, étaient systématiquement effacés par le community manager. Oui, non, mais ce sont, je veux dire, la RTBF est devenue un mastodonte déconnecté de la réalité. Il doit être réformé ou fermé. Donc je dis clairement, nous arrivons au pouvoir, je dis à M. Philippot, d'abord vous serez viré parce que vous êtes, comme on a dit, le larbin du PS, il faut des fonctionnaires indépendants à la tête de la RTBF, qu'il y en a eu dans le passé, qui même étaient socialistes en tout cas, hein, étaient nettement plus, étaient de grands messieurs, mais vous, M. Philippot, votre place n'est plus là. Hein, et la RTBF, elle doit être, rénovée de fond en comble. D'abord, on peut se demander d'ailleurs à terme si on a encore besoin de télévision publique, c'est ça le débat en Suisse, en disant... À l'heure de YouTube et autres, Netflix, hein, de Netflix et autres, est-ce qu'on doit encore payer 225 millions d'euros chaque année hein, pour la RTBF? Mais, donc c'est un autre débat. Mais à supposer qu'on a une RTBF, il faut que toutes les opinions y soient représentées. S'ils ne sont pas capables, ils ne méritent pas d'être appelés télévision publique et ils ne méritent pas le financement de tous. Parce qu'il y a les 30 ou 40% de gens qui votent à droite qui financent aussi la RTBF et ses journalistes. En parlant de modernisation, l'iPad vient de rendre l'âme. Du coup, je vais passer au bon vieux papier. Ah, tenez, voilà. Ah ben voilà.
Et alors, j'ai encore une question et j'en profite pour rappeler à tous ceux qui nous regardent de ne pas hésiter à poser vos questions en commentaire et nous essayerons d'y répondre. Et donc, nous allons passer alors à aussi un autre fait d'actualité. Oui. Des adolescents affirment à XL avoir fait l'objet de violences policières. Oui. C'est un sujet quand même assez tendu. Oui. Donc, pour revenir sur une enquête avait évidemment été ouverte. Les adolescents en question lançaient des pierres sur les véhicules. Bon, il faut que jeunesse se passe, c'est des choses qui arrivent. Et fatalement... Peut-être jeune et ne pas lancer des pierres sur les véhicules, ce qui est extrêmement dangereux, surtout s'ils roulent. Oui, de fait. Du coup, un riverain a appelé la police. Oui. Les policiers ont débarqué. Ils ont couru après, je suppose, les adolescents. Ils en ont plaqué un par terre. Et cet adolescent affirme avoir été frappé, molesté. Et on aurait entendu des commentaires racistes. Oui. Du coup, ma question, c'est comment rétablir l'ordre dans ces quartiers sans dérive. Il y a deux choses. Les policiers, d'abord, doivent faire leur travail. Oui. Et doivent être respectés. Il fut un temps où, lorsque la gendarmerie débarquait, hein, on n'avait pas connu ce temps, mais les jeunes ou les moins jeunes, d'ailleurs, il y avait une véritable crainte et un véritable respect envers les forces de l'ordre. Et on donnait une instruction, un ordre, il était suivi des faits. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite pour dire que les jeunes auraient apparemment nargué les policiers avant de... Oui, donc, et donc aujourd'hui, ce respect s'est perdu, ce qui fait qu'il y a de plus en plus, justement, de violences. D'abord à l'encontre des policiers, ou que les policiers doivent faire usage de la force. Hein, et ben, effectivement, lorsqu'on fait usage de la force, il y a des coups qui peuvent se perdre et autres. Moi, je voulais dire que globalement, nous soutenons les policiers dans leur travail. Et d'ailleurs, une des propositions du Parti populaire, c'est de prévoir une présomption d'usage légitime de la force lorsqu'ils font justement. Usage cette force, donc dire s'ils l'ont fait, c'est que c'était nécessaire, sauf vraiment à démontrer le contraire, hein, parce que trop souvent on les accuse à la légère. Troisièmement, qu'il y a souvent une victimisation. Hein. On sait qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de jeunes d'origine étrangère, arabo-musulmane, etc., ou noirs, etc., et qu'ils déconnent beaucoup. Et donc effectivement, c'est trop facile de crier au racisme, hein, parce que justement, on intervient. Dans des conditions difficiles. Maintenant, je veux le dire aussi, autant je soutiens les forces de l'ordre, autant nous pensons qu'il faut les renforcer, qu'il faut qu'elles soient respectées, autant il est évident que le racisme ou une expression de racisme en tant que telle ne peut pas être acceptée ou tolérée, ou une violence illégitime. Hein, donner des coups pour le plaisir de donner un coup, ça ne va pas non plus. Mais prendre des coups parce qu'il y a eu une rébellion, hein, et qu'on a fouillé, etc., et qu'on s'est débattu, ben ça, c'est les conséquences normales de cet acte de rébellion, et tant pis pour eux. Je veux dire, donc arrêtons de croire que parce que des jeunes déconnent, etc., provoquent, et puis ils sont plaqués à terre et autres, c'est pour ça du racisme. Ils doivent avant tout respecter la loi, et je dirais que dans le monde arabo-musulman, surtout, toutes les études le démontrent, hein, il y a le respect de l'autorité si l'autorité est forte. Hein, si l'autorité n'hésite pas à faire usage du bâton quand c'est nécessaire. Si, je comprends bien, en gros, c'est un retour au sens commun. Si vous ne voulez pas vous faire taper par des policiers... Eh bien, ne provoquez pas et globalement respectez la loi. Alors, vous savez, on a tous été jeunes, on a pu tout faire un peu de conneries, etc. Hein, mais se rebeller, jeter des pierres et autres, ça, c'est dépasser les limites. Les insulter, c'est dépasser évidemment les limites. Alors, j'ai une première question qu'on a reçue par mail. Oui. Votre parti semble attirer très peu de jeunes militants. Envisagez-vous quoi que ce soit pour remédier à ce problème et donner à votre parti une image plus jeune? Alors, je dirais que ce n'est pas vrai qu'on n'attire pas. Disons que les gens les plus visibles sont effectivement une tranche d'âge un peu plus âgée. Mais si je m'étais encore fait donner les chiffres hier, nous avons un cinquième de nos membres qui ont moins de 30 ans. Donc, j'en connais certains, d'ailleurs. Donc, à commencer par vous, mais vous en connaissez, vous avez 24 ans, je pense. Donc, oui. La preuve, c'est qu'il y en a dans les universités et autres. Maintenant, il faut être clair, il y a un endoctrinement dans les écoles, dans les universités, hein, où c'est hype d'être à gauche, d'être pour ceci, etc. Et ce n'est qu'avec, lorsqu'on a des responsabilités, une famille, qu'on paye des impôts,
que le bon sens revient, s'établit, et on se rend compte que les choses ne sont pas, n'ont pas de soi, comme on pense à 20 ans. C'est ce que démontrent la plupart des études, c'est en vieillissant en général qu'on passe à droite progressivement, sûrement pour ces raisons. Ceci dit, ce n'est pas une fatalité non plus, puisque si vous regardez en France, à droite, il y a des mouvements, de jeunesse extrêmement importants et puissants, mais bon, ça viendra. Et alors, j'ai encore une autre question, mais d'abord, il faut déverrouiller ce GSM, sinon, Christophe, tu pourrais juste vite déverrouiller le GSM pour que je puisse voir les questions des auditeurs, mais j'en ai encore une ici. Oui. Pratiquez-vous encore le métier d'avocat? Oui, je le pratique absolument. Merci. Mais je dirais que je consacre aujourd'hui à peu près 80% de mon temps au Parti populaire, c'est-à-dire à tenter de renouveler ce pays, de réformer ce pays, au peuple aussi, parce que nous souhaitons informer et réinformer dans le contexte très difficile qu'on a expliqué, de boycott de la RTV et des médias traditionnels et autres. On s'adresse directement à la population, par ce genre, aux citoyens, par ce genre d'allure d'émission. Mais je consacre à peu près encore 10 à 15% de mon temps, parfois un peu plus, à moitié avocat, notamment Fortis, où je suis en... je vais plaider encore la semaine prochaine à Amsterdam pour l'indemnisation des actionnaires et les questions qui y sont liées. Et donc, par la force des choses, je suis amené aussi à plaider, non pas comme avocat, mais comme président du Parti populaire, contre la RTB, contre RTL, pour des questions fondamentales, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la démocratie, c'est quoi le droit de parole, hein, arrêtons de faire lever ces blocages insupportables. Donc oui, je pratique encore ce métier juridique et je me tiens informé en tout cas. Ok, cette fois-ci, la technologie ne me fait pas défaut. Donc une première question, remettre le service obligatoire. Voulez-vous remettre le service militaire obligatoire? Alors oui, enfin a priori, mais pas sous la forme qu'on a connue. Okay. Hein, pas une année, donc d'abord nous sommes favorables clairement à créer une garde nationale faite de volontaires. Et il est certain qu'elle pourrait être alimentée notamment par des membres justement qui feraient un service volontaire, moitié civil, moitié militaire. Enfin, il faut mettre de la discipline, il faut une formation de base. Alors, on ne va pas faire des tankistes hein, ou des trucs comme ça, ce n'est pas ça. Mais des gens, en tout cas, qui ont une formation de base et qui seraient capables d'assumer avec d'autres, notamment dans le cadre d'une garde nationale, les missions de sécurisation de base d'un pays, qu'on appelle la guerre territoriale. J'en profite alors aussi pour donner un petit élément d'information. Donc en 2016, il y avait eu un sondage auquel j'avais participé sur les jeunes entre 18 et 34 ans. Oui. 54% des jeunes belges ne défendraient pas leur pays en cas de guerre. Oui, mais ça montre, si vous voulez, qu'à bien des égards, notre société est malade. Et vous savez, au-delà des réformes législatives que nous proposons, c'est s'attaquer à la réforme de l'âme de ce pays, c'est-à-dire réenseigner et retransmettre ce que nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire avoir confiance en nous-mêmes et mettre fin justement à ce relativisme où tout se vaut et cet individualisme. Et je pense que le service, un service de quelques mois, hein, on remettrait la discipline, on réenseignerait ce que c'est que la Belgique, le pourquoi, le comment, c'est quoi notre société, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous avons fait de grand, de beau, de fort. Hein, et pas seulement nous dire on a été les colonisateurs, etc. Et même en ayant été les colonisateurs, on a fait de bonnes choses là-bas. C'est quand même le rappeler. Une vision plus nuancée du passé, c'est ça ? Pas seulement plus nuancée, une vision de fierté. Hein, je veux dire, qui n'est pas du chauvinisme, mais de fierté. Un minimum d'amour de son pays, de patriotisme. Ce n'est pas un mot tabou, le patriotisme. Être fier, je le disais, parce que c'est l'absence de patriotisme, je le disais la semaine dernière, qui fait que, par exemple, nos entreprises, on n'a plus de grands champions. Elles sont passées toutes à l'étranger parce qu'il n'y avait pas une vision justement entreprenante mondiale où on était prêt à prendre le monde. Tout ça participe justement à cet anéantissement de l'idée de notre pays. Alors je finis avec une dernière question. Êtes-vous contre le retour des returnees? Une idée de la réponse? Non seulement on est contre le retour, mais on a déposé une proposition de loi il y a 3 ans déjà en disant avec nous ils ne rentrent pas. Et ce qu'on disait, c'était qu'ils avaient été en Syrie ou en Irak, hein, sur base d'un simple rapport de la Sûreté de l'État, le gouvernement pouvait les... D'abord, s'ils sont étrangers, dire qu'ils ne reviennent pas. Et s'ils sont belges et ayant une autre nationalité, les priver de nationalité belge et dire qu'ils ne reviennent pas. C'est une mesure nécessaire, c'est une pure, je le dis devant aux internautes, pure folie
pure irresponsabilité du gouvernement que de laisser rentrer ces djihadistes, parce que un jour ou l'autre, l'un de ceux-ci va commettre des pires atrocités. La déradicalisation ne marche pas, c'est du vent, toutes les études le montrent. Lorsqu'on a été embrigadé comme ils l'ont été, on reste profondément, sauf très rare exception, attaché à cette culture de mort et à cette volonté d'en découdre. Donc c'est une bombe à retardement que nous importons. C'est irresponsable de la part de messieurs Michel et autres de les laisser rentrer aujourd'hui. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin, je pense, de ce live. J'aimerais vous remercier en tout cas d'avoir Merci. Répondu aux questions. Et je dis à la semaine prochaine, donc prenez le pli jeudi 12h30. Vous pouvez le revoir sinon sur les sites Facebook, le site du parti, également sur YouTube où nous allons les diffuser. Je crois que c'est très important que tous les citoyens se rendent compte qu'il y a une autre politique possible, un autre son de cloche, une autre analyse, que même si elle est censurée par la RTBF, les satrapins du PS et autres, ou même RTL, il y a moyen aujourd'hui de s'adresser directement aux citoyens, ce que nous faisons. Il faut juste le faire savoir et le diffuser massivement. Eh bien, je n'ai rien à ajouter, donc commentez, partagez cette vidéo, n'hésitez pas à poser d'autres questions et je vous dis à la semaine prochaine.